Nos deux invités, donc Michèle Meunier, que je vous présentais tout à l'heure, sénatrice socialiste de Loire-Atlantique. Vous allez jouer un rôle important hein, dans le débat sénatorial. Et puis Frigide Barjot, qu'on présente plus maintenant. Ah bon, un passionnariat anti-mariage gay, en tous les cas, porte-parole du collectif La Manif pour tous. Oui, voilà. Tout à alors, fait. Tout a été dit sur le mariage gay. Ce sont les Verts de l'Assemblée nationale qui le disent aujourd'hui. Ils sont là, ils sont pressés de passer à autre chose. Michèle Meunier, non, on s'aperçoit que tout n'a pas été dit. On l'a entendu lors de cette audition, cette première audition. On a entendu des choses très intéressantes qui, peut-être, ont déjà été dites par les différents intervenants et intervenantes de cet après-midi. Mais en tout cas, c'est une façon complémentaire, supplémentaire, de venir enrichir un débat qui se doit d'être serein, dépassionné, parce qu'il y a beaucoup d'émotions là-dedans. Et encore une fois, c'est la conviction et la sérénité qui nous porteront. Le débat, c'est pour faire évoluer les positions des uns et des autres. C'est votre espoir ? Alors, les positions, je ne sais pas si elles pourront évoluer, parce que je pense que dans ce qui se passe aujourd'hui, ceux qui sont carrément en contre et hostiles, que Mme Barjot défend, garderont sûrement cette même posture a priori contre l'extension de ce droit. Par contre, ça peut venir sûrement développer des sujets dont on parlera plus tard. Très bien, quand on entre le détail de cette réforme importante et puis les conséquences qu'elle entraîne, évidemment, dans la filiation, notamment pour les enfants. Pour la suite. Frigide Barjot, est-ce que vous êtes, vous, en mesure d'accepter un débat contradictoire en se disant « je suis prêt mais à écouter éventuellement… » Non mais attendez, éventuellement… à faire évoluer ma position. Mais évoluer ma position, il faudrait la connaître déjà. Nous demandons le débat depuis le début, justement, même avant même qu'il n'ait eu lieu à l'Assemblée nationale, et effectivement, dans les termes et dans les modalités qu'on voit, c'est-à-dire, en fait, il n'y en a pas. Attendez, il n'y en a pas. Et je viens ici affirmer une chose, c'est qu'il n'y en a tellement pas que l'opinion publique n'est pas au courant de ce qui se passe. Hier, dans la nuit de dimanche à lundi, a été voté un alinéa à l'article 1 qui ouvre l'adoption plénière aux couples de même sexe, avec l'introduction d'un chapitre nouveau sur l'adoption, la filiation adoptive. Personne, vous m'entendez bien, Michel Grossior, n'est au courant. Il n'y a pas eu un journal qui a repris ça. Nous, on ne nous a parlé que de l'article 1 le samedi, nous étions dans la rue. L'article 1 qui ouvre le droit au mariage pour tous. Il ouvre le mariage, attendez, aux couples de même sexe, oui. Comme aux couples de sexe, et en remettant un article 143 qui n'existait pas. L'adoption, on ne le découvre pas, ça va avec. Dedans. Mais, cher ami, oui, en quoi ça va avec? Il y avait un titre 7 qui aurait dû être effectivement examiné. Et finalement, tout est rentré dans l'article 1. Ça n'a pas été dit aux Français. Il n'y a pas un journal, vous-même sur Europe 1, vous n'avez pas dit que l'adoption plénière était passée. Tout ça a été masqué par la GPA, la PMA, des circulaires. La faute à qui? Non, mais pas à nous, au gouvernement, avec un Premier ministre qui reprend son ministre de la famille, etc. etc. Bah, alors, revenons sur l'adoption. Alors, attendez, c'est justement le cœur. La sénatrice répond. C'est le cœur. C'est le cœur. Ah, si c'est le cœur. Parce que, encore une fois, sur l'union, sur faire couple, il n'y a aucun problème, madame la sénatrice. Et évidemment, l'amour est égal entre deux hommes, comme entre un homme et une femme. Ce qui change, c'est le mariage, parce que le mariage en France, le Code civil, a institué un mariage qui entraîne une filiation. Et c'est automatique. Et ça, les gens ne l'ont pas compris. Il y a un abus de langage sur le mot mariage. Est-ce que vous pensez, nous voulons enlever la loi de Taubira pour mettre une autre loi, d'accord, qui sera une loi d'union. Alors, et on reconsidère, et je rends hommage aux sénateurs, dans leur grande sagesse, effectivement, de retravailler toute la problématique de la filiation ou des droits alors, éducatifs. Vous répondez sur la question donc, de la filiation et de l'adoption. Est-ce que, selon vous, les choses ne sont pas claires pour l'opinion? Si, et Mme Barjot ne dit pas vraiment tout, parce que pourquoi est-ce qu'on a entendu pendant des semaines et des semaines ces propos en disant on allait rayer le père, la mère, mettre parent 1, parent 2, s'il n'était pas question de filiation. Et donc c'est Mme Irène Thierry, qui dans son audition, donc son propos, nous a beaucoup parlé de l'adoption. Elle n'a vraiment centré son intervention là-dessus. Et ça fait partie, bien sûr, du mariage donc ouvert aux personnes de sexe différent et de personnes de même sexe. Mmh. Et donc la filiation plénière, l'adoption plénière et l'adoption parenté, simple. Hein. Un enfant aura comme parent deux hommes. Et c'est tout.
Il n'y aura pas d'accès à ses origines maternelles. Le conjoint ou la conjointe de son époux pourra adopter les enfants que celui-ci ou celle-ci a. Voilà ce que dit le texte alors, de la loi. Est-ce qu'il y a une mère? Et s'il n'y a pas de mère, est-ce que la branche maternelle sera compensée par un homme? Voilà toute la problématique. Et c'est évidemment, je pense, aujourd'hui... Vous êtes franchement hostile à schéma. Alors, madame la sénatrice... Vous savez qu'il y a 55% des Français qui sont hostiles aussi. Et aujourd'hui, ils ne savent même pas que ça a été adopté en première lecture à l'Assemblée nationale. C'est un déni de démocratie absolu. Ce que je sais aussi, madame Barjot, c'est qu'il y a 72% des Français qui estiment que ce débat a assez duré et que maintenant, il faut le voter. Moi, je l'ai lu... Et c'est vrai que depuis des semaines et des semaines, enfin depuis le mois de novembre, je pense que c'est à l'Assemblée nationale, il n'y a pas une association, pas un lieu de rencontre, pas un lieu convivial où on ne parle de ce sujet de société qui est très important. Mais grâce à qui, chère madame ? Attendez, si on n'était pas rentrée dans le débat ? Grâce à vous, je pense que... Pas toute seule, mais par tous ces Français qui ont demandé à ce qu'on ouvre le débat. J'aimerais vous entendre toutes les deux sur... j'aimerais entendre votre commentaire, votre jugement même sur Christiane Taubira et la façon dont elle défend ce texte à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous avez envie de lui rendre hommage? Moi, j'ai une grande admiration, bien sûr, pour Mme Taubira, garde des Sceaux, qui, dans l'histoire, je pense, marquera sûrement la République, comme d'autres grandes figures historiques, M. Badinter, bien sûr, enfin, sur d'autres points de la loi, Mme Veil aussi. Je pense que Mme Taubira aura sûrement marqué dans ces moments que l'on vit, l'histoire de la France, parce que, encore une fois, je suis persuadée, et d'autres l'ont dit que moi, dans quelques années, quand on regardera tout ce brouhaha qui a eu lieu autour de l'extension d'un droit qui existe, on se dira... Alors, quel droit? Le droit... Sur Mme Taubira, la question. Oui, eh bien, effectivement, elle porte avec beaucoup de compétences, beaucoup d'engagement. Moi, j'aime effectivement voir une femme... Aller jusqu'au bout de ses convictions, vous aimez ça. Courageuse. Mais je vois aussi d'autres députés très courageux, très minoritaires, qui se battent aussi. Ce que je ne comprends pas, c'est que les uns et les autres ne devraient pas être soumis à ce type de conditions de travail, à ne pas dormir, à s'épuiser pour traiter... Ça, c'est le jeu des amendements qui tombent par milliers. Attendez, c'est le jeu parlementaire. Une question concernant ce qui se passe en ce moment même. Tiens, on quitte l'Assemblée nationale et le Sénat, on va à Londres. Pendant ce temps-là, les parlementaires britanniques votent pour le mariage gay. Et c'est une initiative de la droite qui est appuyée en Grande-Bretagne par la gauche. Par des libéraux. Alors, je vais vous expliquer. Ça n'est pas le même mariage. Ça n'est pas un mariage qui emporte filiation et parenté absolue de deux personnes de même sexe. Il va falloir arrêter de mentir aux Français. La filiation nouvelle sociale qui a été créée hier en première lecture n'existe pas dans les autres pays. Donc, il va bien falloir le dire et il va falloir laisser accès aux origines des enfants. Voilà, c'est tout ce que nous disons. On peut avoir des parents sociaux, puis des parents biologiques. On ne met pas en cause la parenté biologique parce que ça fait une filiation certaine. Est-ce qu'au Sénat, on parlera... Mais ce n'est pas une théorie, c'est une réalité. C'est la loi du sang. La loi du sang avec des droits éducatifs pour des parents qui éduquent. Voilà, mais on ne peut pas briser la chaîne. Dernière question, pour conclure. Je me tourne vers la sénatrice. Je voulais savoir si on allait parler... de la procréation médicalement assistée et de la gestation pour autrui dans les débats sur le mariage pour tous au Sénat. Ah, pas plus au Sénat que... Enfin, c'est pas dans la loi, peut-être que ça viendra... Pas plus qu'à l'Assemblée nationale, Il n'y aura pas ces attitudes des sénateurs et des sénatrices, mais bon, ce n'est pas dans la loi. Donc pas de jusqu'au boutisme chez certains qui prônent, même dans votre majorité, cette extension. Le rapporteur a dit qu'il était pour la GPA pour tous. Le rapporteur Jean-Pierre Michel ne souhaite pas que nous abordions ces questions. Elle le sera, le gouvernement l'a dit, mais pas tout de suite. D'un mot, puisqu'on a terminé. Quand on a ouvert la filiation entre deux personnes de même sexe, il faudra faire des enfants, il n'y en a pas adopté. Donc on passera à la procréation artificielle, PMA pour les filles, GPA pour les garçons. Madame, vous êtes pour ou contre la PMA ? Je suis contre les caricatures. Est-ce que vous êtes pour la... Je n'aime pas les propos outranciers. Madame, alors l'héritier nous l'a très bien dit cet après-midi, c'est devant nous tout ce qui va se produire et le mariage. Et vous y êtes favorable personnellement, par exemple, à la PMA pour les couples lesbiennes? Mais ça existe déjà. Pour les couples stériles, et bien sûr. Et donc, il faudra l'ouvrir même aux célibataires. Attendez, les femmes iront faire. Alors, c'est un débat qui suivra celui sur le mariage pour tous, avec un débat en séance. Donc, ce sera au mois de mars, début mars. Merci. La grande manifestation pour demander à ce qu'on rouvre une autre loi le 24 mars. La manif dans la rue.